Sa maman habite à Cahors, à plus de 100 km de chez eux. Autant dire que Charlie va avoir le temps de se répéter une centaine de fois son discours dans la tête avant d'arriver. Maïté habite cette petite maison, elle ne voit pas souvent son fils. C'est donc toujours un immense plaisir pour elle de le voir à chaque fois. Et coucou! Ça va? Comment tu vas, chérie? Oh, je suis contente de te voir, mon cœur. Oh là 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 là. T'as fait bon voyage? Ouais. C'est un peu froid dehors quand même. T'as une tête un petit peu fatiguée. Je suis fatiguée. Bon. Charlie ne va pas attendre plus longtemps. Au final, il ne fera pas de discours à sa maman. C'est immédiatement après être arrivé qu'il va tout lui avouer sans plus attendre. J'ai envie de profiter d'aujourd'hui l'occasion pour t'annoncer une grande nouvelle. Quelque chose de très très important. C'est mûrement réfléchi, ça fait longtemps que j'y pense. J'ai posé ma démission au restaurant. Et je pars de plein pied dans la musique à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui? Ouais. Mon chéri, ça te fait pas peur? Eh bien, au bout d'un moment, il faut prendre des décisions, il faut prendre des choix. Et j'ai assumé ce choix-là. Je fonce. Non. Écoute-moi. Oui, je t'écoute. Écoute-moi. Mais tu me fais très peur, chérie. Ça va bien se passer. Oui. D'accord. Ok. J'ai pas pris cette décision trop sur un coup de tête. Ça fait longtemps que j'ai réfléchi. Ah, mais je suis quand même... T'es perplexe. Perplexe. Je sais que tu t'en sortiras. Parce que tu es percutant, parce que tu es... Tu as envie de t'en sortir et que tu vas... Tu vas y arriver. Je suis confiante. Mais c'est ce que je voulais entendre. Oui, je suis confiante. Oh, oui. Oh, c'est une bonne nouvelle. En fait, tu sais très bien que moi, je serai toujours là pour toi. Tu pleures. Mais oui. Mais moi, chérie... Je peux rien. Tu sais que de toute façon, si tu as un coup de blues, maman est là. Tu travailles beaucoup trop. Ça va, mon chéri. Tout va bien. Tu viens m'annoncer une bonne nouvelle, donc oui. Voilà. Que tu sois fatigué, en plus avec les semaines que tu fais, c'est normal. C'est normal. Oui. Bien sûr que ça va marcher. Il faut que ça marche. Moi, je l'aime quand il chante. Mais j'espère que d'autres font comme moi, quoi, qui vont l'adorer et dire, mais j'en veux encore et encore.